Mardi 25 février, une assemblée générale extraordinaire de la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, FENEPLACI. Au sortir des concertations, l'exclusion des élèves affectés de l'État. Motif, reste à payer des mandats de 2010 à 2013 qui s'élèvent à environ 50 milliards de francs CFA. Depuis cette date, plusieurs rencontres avec la tutelle et un point presse du service autonome pour l'encadrement des établissements privés. Il s'agit de rassurer sur un début de décantement de la situation. Le ministre, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, a engagé un processus d'apurement de la dette de l'État. C'est ainsi que les frais de scolarité de l'année scolaire 2011-2012 ont été entièrement payés. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, la somme de 8 milliards de francs a été payée au mois de février 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La somme de 10 milliards sera payée dès le lundi 17 mars 2014. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, j'invite les fondatrices et fondateurs d'établissements privés à œuvrer pour que l'année scolaire puisse s'achever dans un climat apaisé pour de bons résultats. Quelques réactions. L'ANESPLACI, Association nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, dit faire confiance à l'État. L'ANESPLACI déclare qu'au regard des efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, l'ensemble des fondateurs d'écoles privées n'iront pas en grève. En conséquence, nous demandons aux autorités de prendre les dispositions pour éviter la perturbation des cours dans nos établissements.